Est-ce que moi préoccupé? Ouais. Bon. Par les grèves à répétition. Comme dirigeant, mm-hmm. autrefois, je suis capable de préoccuper, mais pour le moment, aucun pour agir. Le gain, un problème qui existait, parce que c'est vous qui vous commandez. Mm-hmm. Donc, cette note, c'est pour rappeler aux parquetiers leur devoir que vous êtes disponible pour vous faire service public là, marcher. Mm-hmm. Donc, c'est ça que lié. Pendant que nous reconnaissons revendications, justesse, mais il faut que les contrebalancer droit, devoir. Maintenant, il y a des avancées qui sont faites, beaucoup de par l'État central là, pour satisfaire revendications, mais en attendant, il même faut que vous rendre service public là, continuer. Les pas d'eau interrompu. C'est dans ce sens-là, communiquer ça prend. Gagner plusieurs rencontres qui faites avec eux, que vous comprennent la situation, que nous expliquer les initiatives, les démarches qui sont entreprises par le ministère de la Justice. Mais nous arrivons au moment côté que nous avons besoin que tout personnel est disponible. Donc, nous pouvons aller essayer parler avec l'autorité d'Arius et vous mettre continuer l'interview et parce que nous avons des questions pertinentes pour nous poser à Mélissa. Nous faisons appel à Mélissa, s'il vous plaît. Mm-hmm. Ouais, okay. Donc, monsieur le ministre, il y a des problèmes qui posent dans la police, mais qu'on connaît clairement. Et il dit que matériel qui gagne au pas bon, et que policiers ont souffri, ont besoin de faire opération, comme ministre de justice et membre. Et Conseil supérieur police nationale, là, qui sont capables comme réponse directe par rapport à demande population et attente population. Immensité problème sécurité a fait que mon yo impatient. Et c'est plus que normal pour yo impatient. Mm-hmm. Mais l'État central, ministère de la Justice, particulièrement la police nationale, yo prend toute disposition pour yo adresser problème nan, mais surtout bay réponse. Et mais nous-mêmes nous capables, très conscients de cela tout. Situation pas même genre. Mm-hmm. Si n'a gardé la rue, il y a un blocus. Donc la vie commence à reprendre. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pour les questions de matériel, c'est normal. L'heure des matériels à utiliser. À plein régime comme ça, mm-hmm. ou pral joindre gagner ça qui défectué et gain réparation qu'a faite, gain l'autre qu'a vini. Police nationale là, li gagner un gros défi pour lui répondre et l'a fait toute ça le connaît pour lui bailler réponse que mm-hmm. situation mandé. Donc population doit continuer faire confiance. Doit continuer à répondre avec appel li à chaque fois li mande ça. Parce que ça qui est fondamental, la question de sécurité publique, ce n'est pas une question exclusivement de la police. Mm-hmm. Ça a un rapport également avec la population? Li concerner la population, li concerner Haïti de manière générale. C'est chaque citoyen qui gagne un engagement dans le travail ça. Ou pas qu'à la gueule seulement dans la police. La police a une grande responsabilité, mais c'est chaque citoyen qui gagne une responsabilité dans la question sécuritaire là. Par Jean l'a comporté, par façon l'a respecté les consignes qui baillent. Donc c'est un tout, c'est un ensemble. Ça ne peut pas être isolé, ça ne peut pas être intégré. Nous allons venir sur ça, oui, Darius. Donc, il y a un problème fondamental mm-hmm. qui est posé, c'est qu'en fait, question sécurité, sont questions pour aborder avec un pile sens sérieux et avec un pile éléments d'information. Mm-hmm. Parce que nous remarquons, troupes OVINI, et Kenya OVINI, nous remarquons des unités spécialisées qui existaient, nous remarquons tout le matériel qui vient. Mais matériel qui vient, selon
certains experts et sur le nec qui n'ont pas adapté. Ils n'ont pas adapté à sa situation que nous avons. Donc, c'est vrai, nous avons besoin d'aide. C'est vrai, et nous avons besoin de faire opération, mais nous n'avons pas quitté les policiers, pas des matériels adéquats pour aller goumer, pour aller bataille par rapport à des gens qui sont bien armés, bien structurés. Et dans la zone, c'est des zones de non-droit, mais il y a pile de monde dans la population qui est autour d'eux. Donc, et c'est pourquoi que nous voulons aborder cette question avec pertinence et avec invité nos matins, parce que c'est une personnalité qui est plus importante dans la République. C'est une personnalité qui doit nous des réponses et doit la population des réponses claires pour nous capables plus ou moins comprendre dans qui ça nous y est. Maintenant, monsieur le ministre, dis-nous, est-ce qu'on a fait effort pour nous donner l'autre matériel qui est adapté, parce que vraiment, les policiers ont des difficultés, monsieur le ministre. Depuis nous arrivés dans le gouvernement, depuis le gouvernement lui-même l'y installé, démarche, c'est ça, yo, yé, pour bailler la police là, tout moyen que l'y a besoin pour lui répondre avec responsabilité, li, pour lui répondre avec besoin de la population. Donc, est-ce que gagne moyen qui commandé? Oui. Gouvernement li fait un pile effort, grand pile décision qui prend, et ce n'est pas seulement ça qui a fait à l'étranger, même sur le plan local, gagne des matériels qui a mette, qui mettait déjà à la disposition de la police. Mais nous allons mettre nous d'accord que yo pas encore suffisant. Parce que le problème dans son problème qui est immense, mais gagne des avancées considérable qui fait et que moi pas capable détailler que moi pas gain droit détailler là ensemble avec mais population monsieur le ministre attend opération. Absolument. C'est ça attend. Non population attend de résultats qui beaucoup plus concrets pour lui. Parce que si c'est pour opération c'est presque régulièrement population au courant de opération qui fait. Et si la police pas d'opérer, nous pas capable chita là. Nous pas capable chita là. Si la police pas d'opérer, nous pas capable chita là. Bon, là mon yo l'ai parlé de opération monsieur le ministre, yo surtout parlé de intervention la police pour débloquer grand axe routier yo, pour déloger gang yo. Est-ce que il y a des opérations déjà commencé dans ce sens ça? Ah mais certainement. Certainement qu'il y a une opération. Qui côté ministre? Ah bien, n'a tout simplement gardé tout ça qui fait déjà. Il y a une pile opération qui arrivait déjà avant hier, Gantier, qui s'est passé. Mais 400 maroons sont toujours là. Ah, non, mais qui s'est passé? Comment pourront faire pas continuer à écraser si la police n'est pas intervenue avec les forces armées? Juste par un exemple. Tout côté qui a bloqué, la police allait. Grissier, c'est la même chose. Ou qu'a dit que. Mais mon baka. Mon yo retourné. Non, mais c'est juste une bataille. C'est ça lié tout ça. Mais nous pas Jacques Mel, nous pas à Tigoua, nous pas à Lokay. Oui. Parce que des gens qui bloquent, qui s'est passé. Oui, ça fait très longtemps que Aksayo yo bloqué. Gagner des stratégies, gagner des plans, mais il faut un peu de patience. Il faut un peu de patience. Mais ça nous rend nous compte, et je ne crois que c'est un secret pour personne, via reprendre. C'est pas de consalter. Le nous arriver à là, c'est pas de consalter. Nous-mêmes, nous pas capables de satisfaire nous de petites victoires. C'est des stratégies pour que dans un temps pas trop lointain, pour la vie reprendre totalement. Nous connaissons, ça a demandé un pile bagaille. Et c'est ça même, n'a fait ce travail, ça même gouvernement. Scoop. D'ailleurs, scoop. Nous-mêmes, pas connaît. Heure de sommeil, c'est environ 3 heures de temps lié. Parce que population dans gens liés là, faut qu'on balle réponse. Et ou même, ou obligé de faire tout ce qu'on est, toute stratégie à déployer puis au balil. Mais ça m'a dit un peu de temps, un peu de patience. Parce que la question de sécurité, la question des opérations, ça pas capable de faire de n'importe quelle manière. Et erreur passée, il faut nous tirer le son de yo. Pour leur opération, ils ont fait pour qu'ils réussissent.
pour que la vie reprenne, pour que l'État retourne pour faire consolidation. Donc ça, lui-même, c'est sous ça notre travail. Où t'es dans l'hôpital général? Absolument. Donc, quelle est la vérité? Vous êtes ministre de la Justice. J'ai entendu le reporter de CNN dit clairement ça va coûter ZAM, l'éditeur en bas. Nous tendez, directeur général de la police l'a dit lui-même, toute autorité au territoire finale. Il a même dit, moun qui t'a tiré à son pick-up gris qui était dans le cortège ministre de la Justice. Quelle est la vérité autour de cette problématique, monsieur le ministre? Scoop! Fake news, scoop. Bonne nouvelle, dis-nous ça qui passe. Parce que j'ai appris également que l'inspection générale te saisit le dossier. On était scoop. À l'hôpital général, justement. Mm-hmm. Premier ministre en fin de interview. Interview a fini. Interview a fini. Moi, j'ai raccompagné le Premier ministre dans son véhicule. Mm-hmm. Le directeur général m'a raccompagné dans mon véhicule. Il a monté machine pâle, cortège l'a démarré. Son cortège qui ébranlait comme tout cortège. Mm-hmm. Qui allait rapide. Le n'a pas passé dans Rue Saint-Honoré. J'ai entendu des coups de feu. Mm-hmm. C'est ça la vérité pour moi. Scoop. Et c'est ça. Venant de quel groupe? Ah non, même pas qu'à connaître de qui groupe que le vini. Mais il y a une enquête qui est ouverte. Je ne sais pas qu'on est de qui groupe. Mais en montant à la rue Saint-Honoré, il y a eu des tirs. Voilà ce qui s'était passé. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez l'image, même le Premier ministre a salué le journaliste CNN, nous-mêmes, monsieur, gardez visage, nous avons gardé pour nous. Est-ce que le monde qui t'es paniqué, est-ce que t'es gon panique? C'est ça pour garder. Garder image. Donc, le premier ministre a salué moun CNN yo pour la monter machine. Garder pour est-ce que t'es gon situation de panique? Donc à l'intérieur, lors de l'interview, il n'y a pas de gain de tir. Non, pas de gain à faire de panique. Il y a eu peut-être une ou deux détonations, mais très espacées. Peut-être 10 minutes. Ça n'avait inquiété personne. En tout cas, moi-même qui te me dire. Moi, personnellement, je me sentis menacé, inquiété. Tu as deux détonations, peut-être à un intervalle de 10 minutes. Et l'image, yo parlante. Mais l'image, le nom en dans l'hôpital là. Yo parlante. Regardez, est-ce que tu as des gens qui étaient paniqués sur lui? Nous pas trop paniqués. Non, mais de vous pas ouais panique là. Mais dit que vous sorti en bas coup de zam, non, écoutez. De toutes les façons. Nous-mêmes, nous pas dit ça, ou qui vient de poser une question, nous mangeons pour capable nous. Non, mais c'est ça, ça arrivait, gros machine, pick-up gris, il dit qu'il était en cortège, mais c'est ça qui t'a fait des tirs, ma contre si c'est en réponse par rapport à Negio, etc. Il y a pile parole qui a parlé, qui fait qu'on est que Negio t'est tiré. En tout cas, moi-même, machine, moi, t'es devant, est-ce que une machine derrière qui t'est tiré, j'ai pas vu ça. Mais l'important pour moi, c'est que quand on montait par la rue Saint-Honoré, j'ai entendu des détonations. Mm-hmm. Rien que cela. Est-ce que l'espace était sécurisé? Quel espace? L'espace de l'hôpital général. Certainement, il était sécurisé. Certainement, il était sécurisé. Mm-hmm. Monsieur le ministre, est-ce que je veux dire, nous avons un contrôle périmètre et côté de l'hôpital général hier? Mais qui ça fait nous pas un contrôle? Non, on vous a fait une question. Non, on a le contrôle. On a le contrôle total. On a le contrôle total de l'hôpital général. On a le contrôle total de l'hôpital général. En début de ça qui passe, hein? On a le contrôle total de l'hôpital général. Mm-hmm. On a le contrôle total de l'hôpital général. Mm-hmm. Yeah. Les forces de l'ordre ont le contrôle total de l'hôpital général. Mm-hmm. Bon. Bon, et une petite question pour le ministre. Là, rapidement, le ministre, nous connaissons que la justice a fait face avec un peu de difficultés. Et ou même qui ministre justice ou on paquet d'expérience et maintenant il y a un pile attente par rapport à eux même et yo connaît des privés là qu'on sait des dossiers ou pas le travail pour améliorer yo. Et donc qui ça ou gagné en cours pour bailler satisfaction notamment par rapport à officier judiciaire qui a fait grève à répétition dans le système là. Scoop. Bon, en fait, le système non, il est très difficile. Il non fonctionnement
Je dirais même les non-dysfonctionnements, parce que on a des grèves à répétition, et ce depuis 2019-2018, il y a des grèves à répétition. Nous-mêmes, nous avons des rencontres avec les grévistes, et ça a posé comme revendication nous reconnaître justesse. Il n'empêche que faut que les contrebalancer entre droit, devoir. Et il est clairement dit dans la loi qui régit le fonctionnement magistrat assis de bouillot que n'y a pas le droit d'interrompre aucun mouvement de revendication pas capable d'interrompre le cours de la justice. Et c'est dans ce sens-là que nous fait sortir, sinon que hier, bien avant-hier, ils ont communiqué pour demander de manière formelle pour reprendre le travail, pendant que gagné en pile avancée pour capable répondre avec demande, revendication. Mais nous-mêmes, nous faisons comprendre de manière claire que ils ont obligé travail en attendant que revendication y a satisfait, parce que population lui-même, je ne voulais pas aller de justiciable, les gens qui gagnent combien de temps en prison, ce n'est pas normal, puis ils ne sont pas capables de fixer ce sort. Donc, il faut que la justice là, reprenne cours normal.